Hey, tu veux que je te montre un super délire que j'ai? Je suis au bord de l'eau, tu vois, salut, comme ça, tu viens. C'est une proposition d'exercice pour toi, on va le faire ensemble, mais l'idéal c'est que tu ailles le faire ici. Donc tu viens te mettre au bord de l'eau, etc. Donc là je suis là, à Telk ou Telk, je sais pas, en République Tchèque, T-E-L-C, un petit endroit. Je suis au bord de l'eau, est-ce que tu vois sous quoi je suis? Chouf, un super beau sol pleureur. Mais attends, chouf, oh là 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 là. Une petite passerelle en bois qui arrive là sur un petit sentier où il y a plein de petits jardins, des petites maisonnettes, c'est super mignon, etc. Un beau lac, tout. Et là en face, donc tu vois, j'ai genre, waouh, cool, je me suis arrêté là, je vais dormir dans la voiture, sûrement dans le coin. Je crois que je me suis garé vers là-bas et je me balade. Et là-bas, il y a tout un village très beau, je sais pas encore, mais je sais qu'il est beau, il y a des belles fontaines, etc. Bref, l'exercice, c'est ça. Tu as pris une minute de ton temps supplémentaire. Là, tu vois, au bord de l'eau, il faut que tu imagines en fait ce que. Je sais pas, tiens, c'est dommage que j'arrive pas à voir. Donc en fait, regarde toutes les variétés d'arbres, tu vois, tous les groupements d'arbres. Pousse-toi, toi. Et en fait, essaye d'imaginer que ce sont des animaux. Par exemple, là, regarde, tu as un troupeau c'est une sorte d'iris, je vois pas trop bien là. Enfin bref, c'est des petites cannes. Là-bas, tu as un autre arbre. Enfin, il y a plein d'arbres différents qui ont des formes, si tu regardes, on dirait des éléphants là. Et donc là, c'est comme si tu voyais plein d'animaux. Tu vois là, tu vois ça, regarde, tu le vois bien là. Là, tu vois, bref. Il n'y a pas besoin de penser que ce sont des animaux, ce sont des végétaux. Bonjour les végétaux. Tu regardes les végétaux, tu dis, oh, il y a une troupe. Et donc tu observes avec beaucoup d'intention et d'intention. Ah, il y a ça, même on s'en fout des noms, si tu arrives à les reconnaître, génial. Mais juste tu regardes. Et tu dis, waouh, quelle densité, qu'est-ce que c'est beau, c'est sympa. Et là, tu vois, tu as une petite trouée. Et là, il y a des gens, des animaux qui vont passer ici pour avoir accès à l'eau. Donc, on va créer une ouverture dans le végétal. Mais le végétal, il se met tout au bord de l'eau. Il s'est entouré de l'eau, tout autour. Il y a du végétal. Est-ce que ça a été implanté? Est-ce qu'il est venu tout seul? Et là, tu vois, il y a un arbre qui est tombé. Mais pendant encore quelques années, il va être là. Il va bien être enraciné. Ça va faire un truc, là, un ponton. Il y a sûrement des gens qui vont aller monter dessus, etc. Enfin, avec le temps. Les trucs du bas là, elles vont mourir, etc. Enfin bref, ça va faire partie du paysage, sauf si la mairie vient le coupe, mais ça va faire partie du paysage. Et on dirait, tu vois, une girafe qui s'est penchée en avant et là qui va boire. Enfin, qu'est-ce que c'est trippant! Donc voilà. Et donc, forcément, l'idée c'est d'aller ensuite de l'autre côté et d'aller les voir de près, mais t'as pas besoin. Tu sais, des fois, c'est comme si je suis en safari, je suis juste à une bonne distance, je les vois, je les observe dans leur entièreté. Cool quoi. Ah, regarde, ma fille, il y a des habitations. Ah, il y a des gens qui sont là. Ah, puis là, il y a un coureur. Ah, puis là, il y a un mec. Puis là, il y a un ragondin. Ah, puis là, il y a un cygne. Puis là, il y a des oiseaux. Puis là, il y a des bestioles. Je dis, oh waouh, il y a tout ça qui se passe. Tout dans un tout petit truc. Et moi, là, je suis de l'autre côté de ça. Donc, si tu étais assis là-bas, tu verrais qu'il y a. Oh, regarde, il y a un mec en jaune qui s'astique tout seul et qui monte du doigt. Arrête de montrer du doigt plein de choses. Bref, tu vois, juste là, et là, sur moi, je suis au bord, il y a plein de belles plantes, tu vois, des trucs intéressants qui font des fleurs qui évoluent au fil du temps. L'idée pour moi, ce serait aussi d'avoir des trucs à manger, tu vois. Je crois qu'il y a des pommiers, mais ce serait génial de rajouter un peu de nourriture, comme ça t'arrives. Mais c'est déjà parfait comme c'est. Voilà, bienvenue. Et tout ça, c'est le sol. Tu coupes une petite branche de sol, tu peux le remettre dans l'eau, dans la terre, et hop, ça va refaire un arbre. Ah, c'est génial, si t'as envie d'avoir ça, il faut en planter partout. Dès qu'il y a de l'eau, comme ça, vas-y, vas-y, implante-les en mode ninja s'il faut. Tu vois, tu crées des espaces comme ça de vie. Je sais pas quelle âge il a. Oh là, je vais tomber en arrière. Bon, allez, vive la vie. Tiens, merci pour tout. Blouh.